Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de la présentation du Tour de France Femmes et du Tour de France Hommes. Donc on va démarrer tout de suite avec le Tour de France Femmes. Donc la première étape, elle ira de Rotterdam à La Haye et elle fera 124 km. Ce sera une étape de plat. Il faudra faire attention aux zones exposées au vent. Dans la deuxième étape, qui fera 67 km, nouvelle étape de plat, elle ira de Dordrecht à Rotterdam. Il faudra également faire attention au vent et au changement de direction. La troisième étape proposera un contre-la-montre individuel au temps de Rotterdam de 6,3 km de long. La particularité de cette étape, c'est qu'elle sera le même jour que la deuxième étape. Ça sera un contre-la-montre court et intense. Il y aura quelques virages en angle droit et il y aura un passage devant l'hôtel de ville et le musée maritime. La quatrième étape, elle reliera Valkenburg de Liège sur 122 km. Ça sera une étape accidentée puisqu'elle va prendre les côtes de l'Amstel-Gold-Race, dont le Kuhlenkemmerberg et le Bemelerberg en deux fois chacune, et le Koberg aussi également qu'à une seule reprise. Et sinon il y aura également les côtes de la Redoute, des Forges et de la Rochefoucauld qui sont empruntées par Liège-Bastogne-Liège. Pour la cinquième étape, elle partira de Bastogne et arrivera en France à Amnéville. Ça sera une étape de 150 km qui devrait plutôt être plate. Il y aura 2000 m de dénivelé positif. Le dernier kilomètre sera avec de la pente à 6%, puis de 3 à 4%. On peut avoir une bonne chose qui peut gagner, pourquoi pas l'Otto-Kopecky par exemple. L'étape 6, ça sera Remiremont. Morteau, 160 km, également une étape accidentée. Du coup, ça sera une nouvelle étape pour les puncheuses, avec la côte de la Roche-du-Prêtre, 5,5 km à 5,6%, et la côte des Fins, 1,8 km à 6,9%, à moins de 30 km de l'arrivée. La septième étape sera une étape de montagne qui reliera Champagnole jusqu'au Grand Bornand sur 167 km. Ça sera l'étape la plus longue de ce Tour de France 2024. On aura une arrivée inédite au Chinaillon qui fait 7 km à 5,1% de moyenne. Mais avant, il y aura le col de Saint-Jean-de-Silst, 5,4 km à 5,1%. Enfin, pour terminer ce Tour de France Femmes 2024, la dernière étape sera le Grand Bornand qui ira jusqu'à l'Alpe d'Huez. Donc l'étape fera 150 km. Elle passera par le col du Glandon et son versant le plus dur, 19 km à 7,2%, et se conclura au sommet des 21 lacets de l'Alpe d'Huez pour terminer ce Tour de France 2024. Il se peut que la vainqueur au sommet soit la vainqueur de cette édition, et à mon avis, c'est ce qui va arriver. Donc, plusieurs coureuses ont réagi à ce tracé. Donc, il y a Audrey Cordon qui dit: on ne s'attendait pas à ce qu'un départ à l'étranger soit si tôt dans l'existence du Tour de France féminin, mais pourquoi pas? Les Pays-Bas sont la référence du cyclisme féminin. C'est un bel hommage à toutes ces championnes qui le méritent. Ces étapes aux Pays-Bas seront piégeuses, on pourra y gagner le tour comme le perdre. Je suis très contente que ce soit l'arrivée à l'Alpe d'Huez lors de la dernière étape. Pour des filles comme moi, ce ne sera pas une partie de plaisir. Certaines risquent d'arriver de nuit. Ça va rendre le tour encore plus mythique. Ce sera le juge de paix de ce Tour de France. La plus forte gagnera. La vainqueur sortante d'Emmy Vollering a également réagi à ce tracé. Elle dit: on part de mon pays natal, à côté de chez moi, et ce sera vraiment spécial. On traversera ensuite des régions qui sont chères à mon cœur. Je suis très contente. Elle a également réagi par rapport à la montée de l'Alpe d'Huez. Elle dit: cette ascension, j'en entends parler depuis que je suis toute petite. Elle est vraiment très célèbre aux Pays-Bas. J'ai toujours voulu monter là-haut, mais je n'en ai encore jamais eu l'occasion. J'ai hâte de découvrir l'Alpe d'Huez. Juliette Labrousse, la Française qui a fini cinquième cette saison du Tour de France, a également, elle, réagi aussi. Des frissons en regardant ce parcours. Beaucoup d'étapes sont proches de chez moi ou de ma famille. Un final en apothéose avec une étape à près de 4000 mètres de dénivelé. J'ai déjà envie d'y être. C'est une montée que j'affectionne, où je me suis pas mal entraîné en cadette. Quand on le voit à la télé, on a hâte d'y être. C'est une montée mythique. Donc Marion Rousse, la directrice, a également réagi à ce nouveau tracé. Et elle va parler là des Jeux Olympiques. C'est un petit challenge parce que les dates ont changé avec les JO. On ne sera plus la quatrième semaine du Tour de France masculine. Ce sera une grande première.
pour nous et on ne sait pas trop comment ça va être perçu. Pour nous, la priorité était de garder un créneau pendant les vacances scolaires pour que ce soit un succès populaire. Ce sera une édition un peu particulière, mais on a conservé les ingrédients qui ont fait le succès des deux précédentes, en augmentant même un peu le dénivelé. Si je crains que les JO fassent de l'ombre à l'édition 2024, ce sera le même problème tous les 4 ans. Évidemment, pour nous, c'est toujours mieux d'être la 4e semaine du tour. Les gens ont envie de voir du cyclisme au mois de juillet. L'été sera très dense niveau sport et on ne sait pas encore quelle sera la réaction du public. Et elle a également fait une déclaration par rapport au départ des Pays-Bas. C'est aussi pour cette raison qu'on a choisi les Pays-Bas. On sait qu'il y aura un engouement. Là-bas, le cyclisme fait pratiquement 50% des parts de marché. Culturellement, c'est le pays du vélo avec de nombreuses championnes dont la tenante du titre, Demi Vollering. Les Néerlandaises sont au-dessus du lot. Pour nous, c'était totalement cohérent d'avoir ce premier grand départ de l'étranger là-bas. Donc maintenant que l'on a terminé de parler du Tour de France femmes, on va parler du Tour de France hommes, qui lui partira de Florence, en Italie. Donc la première étape sera tracée de Florence et ira jusqu'à Rimini. Elle fera 206 km et elle sera accidentée. Donc une première fois, la première étape du Tour de France fera 3600 mètres de dénivelé, ce qui est assez énorme pour un premier jour. Donc il y aura un passage dans la ville natale de Gino Bartali. Il y aura des enchaînements dans les reliefs de Toscane et d'Émilie-Romagne. La côte de Saint-Marin, 7,1 km à 4,8% sera également au programme de cette étape. La deuxième étape, c'est Cesenatico-Bologne. Elle fera 200 km et elle sera également accidentée. Donc cette étape passera à Imola et sur le circuit automobile, là où Julien Alaphilippe a été champion du monde pour la première fois de sa carrière. Elle passera également dans la côte de San Luca, 1,9 km à 10,6 à double reprise dans les 40 derniers kilomètres. Donc la côte de San Luca est traversée elle par le Tour d'Émilie. Donc là c'est là où les meilleurs puncheurs et grimpeurs vont pouvoir s'extirper pour tenter d'aller chercher la gagne. Donc la troisième étape, Plaisance-Turin, ce sera l'étape la plus longue de ce Tour de France. Elle fera 229 km. Normalement, ça devrait être une étape pour les sprinteurs. Elle rendra hommage à Fausto Coppi en passant par Thornton. La quatrième étape sera déjà un gros morceau de ce Tour de France, puisqu'elle va relier Pinerolo à Valoire. Elle va démarrer l'étape par une montée de 40 km à 3,7% vers Sestrières, qui culmine à 2035 mètres d'altitude. Ensuite, il y aura le passage de la frontière pour arriver en France avec le col de Montgenèvre, 8,3 km à 5,9%. Et ensuite, il y aura le Lautaret qui sera prolongé par le col du Galibier, qui fait 23 km à 5,1% de moyenne. Ensuite, il y aura une descente vers Valoire pour savoir qui sera le vainqueur de cette première étape de montagne. La cinquième étape sera reliée à Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas. Elle fera 177 km et normalement ça devrait être une étape pour les sprinteurs. La sixième étape qui reliera Mâcon à Dijon fera 163 km. Ça sera également une nouvelle étape pour les sprinteurs. Et il y aura une découverte. Le paysage pourra faire découvrir l'architecture médiévale avec l'abbaye de Cluny, mais pas que. La septième étape, ce sera le premier chrono individuel de cette édition. Il fera 25 km et sera tracé de Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin. Les deux tiers du contre-la-montre seront en forêt. Il y aura également la côte de Curtil-Vergy, 1,6 km à 6,1% de points de moyenne dans le final. Mais normalement, ça devrait être un contre-la-montre pour les rouleurs quand même. La huitième étape, on ira Semur-en-Auxois à Coulombay-les-Deux-Églises. Elle fera 176 km. Les deux premiers tiers de cette étape seront. Il y aura 5 ascensions répertoriées. Et les 3 derniers kilomètres de la ligne droite finale seront un léger faux plat montant. Pour terminer cette première semaine de course, la neuvième étape sera tracée autour de Troyes. Elle fera 199 km. Et cette étape sera assez spéciale puisqu'il y aura 14 secteurs de chemin de vigne, dont 6 dans la partie finale pour 32 km de poussins et de cailloux au programme. Donc après, il y aura une journée de repos sur Orléans. Et Orléans sera le départ de la 10e étape qui reliera Saint-Amand-Montrond.
Elle fera 187 km. Donc, tu auras des routes exposées au vent latéral. Il y aura trois changements de direction dans les 30 derniers kilomètres. Donc, il faudra faire extrêmement attention au risque de bordure qui pourrait se créer. La 11e étape sera Évreux-les-Bains, Le Luron. Donc, elle fait 211 km. Il y a 3450 mètres de dénivelé positif. Il y aura un enchaînement de cols dans les 50 derniers kilomètres avec le col de Néronne, 3,8 km à 9,1%. Le puits Marie Pas-de-Pérols, 5,4 km à 8,1%. Le col de Pertus, 4,4 km à 7,9%. Le col de Foncière, 3,3 km à 5,8% de moyenne. Puis la montée du Luron. Donc, ça sera exactement la même finale qu'en 2016 où Greg Van Avermaet a gagné. Puis, quelques semaines plus tard, il a été champion olympique. Donc, pourquoi pas donner des idées à certains coureurs. Donc, la 12e étape sera partir à d'Aurillac et rejoindra Villeneuve-Saint-Lô. Elle fera 204 km. Donc, cette étape ne représentera pas de gros danger. Il y aura la montée vers Rocamadour, dans le sens inverse du chrono de 2022. Et les deux dernières fois que le Tour est arrivé à Villeneuve-Saint-Lô, c'est des échappées qui avaient réussi à gagner. Donc, ça peut également donner des idées aussi aux baroudeurs. La 13e étape reliera Agen à Pau. Elle fera 171 km. Donc, ça sera une étape de plat. Ce sera normalement une étape pour les sprinteurs, mais il y a la côte de Blachon et de Simacourt qui sont proches du final. Donc, les sprinteurs les moins à l'aise dans les bosses pourraient être potentiellement en difficulté. Et la dernière fois que ça arrivait au sprint, c'était une victoire d'Arnaud Démare. Et donc, pourquoi pas, s'il va sur le Tour de France, refaire le même coup. Et c'est aussi la même distance. Donc, ça fait deux points communs que tu pourrais faire jouer à Arnaud Démare, pourquoi pas, pour gagner une nouvelle fois sur le Tour de France. La 14e étape, ça sera la première étape de montagne dans les Pyrénées. Donc, elle partira de Pau, là où on est arrivé la veille, par un lit jusqu'à Saint-Lary-Soulan, Pladalet. Elle fera 152 km et ça sera donc logiquement une ça sera donc certainement une étape de montagne. Donc les trois cols seront dans les 80 derniers kilomètres. On démarrera par le Tourmalet, donc 19 km à 7,4%, par le versant de là où Thibaut Pinot a gagné en 2019. Après, on passera par la Ourthe dans 6 ans, 8,2 km à 5,1%. Ensuite, ce sera la montée du Pladadet, 10,6 km à 7,9%. La ligne d'arrivée sera tracée là où Poulidor a levé les bras il y a 50 ans. La 15e étape sera Loudenduel Plateau de Baye. Donc, ce sera une étape de montagne de 198 km. Il y aura 4850 mètres de dénivelé positif. Donc, sur 200 km, il y aura le col de Pinsourde, 6,9 km à 78% dès le départ. Ensuite, il y aura 20 km de vallée, puis on empruntera le col de Mantet, 9,3 km à 9,1%. On enchaînera avec le col de Portet d'Aspet, 4,3 km à 9,7 km. Ensuite, il y aura une vallée de 60 km après la descente de ce col. Puis on prendra le col d'Agnès qui fait 10 km à 8,2% de moyenne. Donc il y aura une petite descente et après un léger faux plat vers le pan de l'Hers. Ensuite, il y aura une descente, une portion de plat. Puis on enchaînera la dernière montée des Pyrénées et de cette étape. Donc ça sera le plateau de Baye, 15,8 km, 7,9%, qui sera le juge de paix de cette étape des Pyrénées et de cette deuxième semaine. Donc ensuite, ça sera un jour de repos sur glissant, qui sera le départ de la 16e étape qui reliera Nîmes. Donc normalement ça devrait être une étape pour les sprinteurs, mais il faudra faire attention au Mistral qui pourrait donner des idées aux équipes qui seront bien armées pour créer des bordures. La 17e étape reliera Saint-Paul-Trois-Châteaux à Superdévoluy. Elle fera 178 km, ça sera une étape de montagne. Donc, il y aura des bosses dans les 40 derniers kilomètres avec le col de Bayard, 6,8 km à 7,3%, le col du Noyer, 7,5 km à 8,4%, puis la côte de Superdévoluy, 3,8 km à 5,9%. Sinon, l'étape sera toute plate au début, à part dans les 40 derniers kilomètres du coup.
La 18e étape reliera Gap à Barcelonnette et fera 179 km et sera accidentée. Donc ça sera la dernière occasion pour les sprinters, mais pourquoi pas aller une étape pour les punchers avec la côte de Saint-Apollinaire et des demoiselles coiffées dans le final. La 19e étape sera Embrun Isola 2000, elle fera 145 km et ce sera une étape de montagne. Ça sera également l'étape reine de ce Tour de France avec trois cols qui culmineront à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc on démarrera par le col de Vars qui culmine à 2109 mètres d'altitude, qui fait 18,8 km et qui est à 5,7% de moyenne. Ensuite, on prendra la cime de la Bonnette qui culmine à 2802 mètres d'altitude. Donc c'est le toit du tour. Ce col fait 22,9 km à 6,9% de pente moyenne. Donc c'est également la plus haute route asphaltée de France. Et ensuite, on terminera par Isola 2000 à 2024 mètres d'altitude, qui fait 16,1 km à 7,1%, et sera l'arrivée de cette 19e étape. Ensuite, la 20e étape sera Nice, qui est le col de la Couillole. Elle fera 133 km, ça sera également une étape de montagne. C'est une étape où on peut tout perdre si on est dans un mauvais jour, puisqu'il y a 4 cols répertoriés. Le col de Brousse, 10 km à 6,6%. Le col de Turigny, 20,7 km à 5,7% de pente moyenne. Le col de la Colmiane, 7,5 km à 7,1%. Et ensuite, le col de la Couillole, 15,7 km à 7,1% de pente moyenne. Donc là, ça va être une étape qui va avantager les habitués de Paris-Nice, puisque ces cols-là sont quasiment tout le temps empruntés à chaque édition. Pas forcément les trois, mais il y en a au moins un qui est emprunté à chaque édition. Ensuite, la 21e étape sera contre la montre Monaco-Nice. Donc cette année, il n'y aura pas d'arrivée à Paris et sur les Champs-Élysées en raison des Jeux Olympiques, mais un contre-la-montre de Monaco à Nice qui passera par la Turbie, 8,1 km à 5,6% de pente moyenne, et qui passera par le Col d'Aise, 1,6 km à 8,1% de pente moyenne. Ensuite, ça sera une descente et du plat jusqu'à Nice. Donc, et pourquoi pas un match à 2 ou à 3 comme en 1989 quand Laurent Fignon perd le maillot jaune au profit de Greg LeMond pour seulement 8 petites secondes sur les Champs-Élysées. Donc ensuite, comme pour le Tour de France Femmes, on va terminer par les déclarations. Et on va démarrer par Jonas Vingegaard qui s'exprime par rapport au parcours. C'est un beau parcours, très dur, ça me convient bien. Il y a beaucoup de kilomètres en haute altitude de où je suis à l'aise d'habitude. Je suis très content de ce que j'ai vu. J'attends ce tour avec impatience. Ensuite, il s'est également exprimé par rapport à la cime de la Bonnette. Je ne connais pas la Bonnette et je n'ai encore jamais roulé à une telle altitude, mais je suis impatient de voir ça. Ensuite, on a une réaction de Valentin Madouas. C'est un parcours qui est très difficile. La première étape est déjà une vraie étape de montagne. On va terminer avec un contre-la-montre très dur. Beaucoup vont vouloir arriver en forme pour la troisième semaine, mais il y aura des étapes piégeuses, surtout au début. J'aime ce tour, j'espère y être avec des ambitions. Ces dernières années, des étapes de haute montagne pas très dures. Cette année, ce qui ressort, c'est qu'il y a des étapes de plat, et quand ça monte, ce sont de vrais enchaînements de cols. Ce seront des étapes cool à suivre, à faire. Ensuite, on a une réaction de Thierry Gouvenot qui s'exprime sur le contre-la-montre de Nice. C'est un pari, on n'est pas sûr que ce soit gagnant, parce que ce qui a été vécu en 1989, c'était inimaginable. On n'est pas à l'abri d'avoir la même chose, il y a juste à se rappeler de la planche des Belles-Filles où Paul Achard a renversé Roglic alors qu'on pensait que le tour était plié. Donc un contre-la-montre a le pouvoir de mettre du doute jusqu'au dernier moment, d'autant plus que ce chrono est difficile. Ensuite, il s'est également exprimé par rapport au chemin blanc de l'étape de Troyes. On avait envie de mettre des chemins blancs depuis 2016. On voulait vraiment en mettre sur l'étape d'Épernay en 2019, mais on n'avait pas trouvé les chemins qui nous convenaient. C'était trop dangereux. Et on a finalement trouvé ces chemins-là. On a commencé à les intégrer avec le Tour de France Femmes avec Zwift en 2022. Sur ce Tour de France 2024, il y a une longue période où on est en plaine, dès qu'on va quitter les Alpes, juste à Saint-Amand-Montrond, et on a voulu couper ça avec ces chemins blancs.
On a été sur le terrain de nombreuses fois, on a revu nos plans, puisque au début ce n'était pas 3-3 qui était prévu, mais c'était finalement le mieux pour emprunter les meilleurs passages, car on a été très attentif à la qualité des chemins. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les présentations des Tours de France. Donc merci beaucoup à ceux qui la regarderont, et puis n'hésitez pas à réagir en commentaire pour savoir ce qui pourrait être amélioré pour la saison prochaine si je refais. Ciao, ciao!